que j'aime beaucoup ce film parce qu'il est très concret, en fait. C'est comme un récit métaphysique sur la guerre, sur la fascination et sur l'horreur de la guerre en même temps. Et il le fait avec des ingrédients extrêmement simples, c'est-à-dire qu'il y a une bande de barjots, un char, ça c'est les Russes, qui parlent américain, mais on s'en fout. Et puis, il y a une bande de moudjahidines qui ont 3 scooters, enfin 3 vélos moteurs, quelques vieux fusils et un lance-roquettes. Bon, où c'est assez fort, c'est que dans les deux cas, il rentre dans... Il dit non, non, mais il n'y a pas... Au début, les Russes, c'est des nazis, les autres, c'est des victimes. Et après, il change le truc. Et dans l'intérieur des deux camps, c'est-à-dire dans les Afghans, il y a les deux camps aussi. Et en même temps, c'est complexe du côté des Russes parce que le personnage de George Junza est tout de suite annoncé comme un fou furieux déchaîné. Et on se dit comment vont... Il y a ceux... On voit... Le récit narre comment certains vont essayer de le contourner ou de lutter contre lui, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'il fait mentir à une théorie ou quelque chose qu'on m'avait dit qui est souvent très vrai, qui est que dans la guerre, on ne peut pas traiter les deux camps. On peut approfondir une guerre en étant dans un camp et l'autre camp étant un peu comme les Indiens des westerns, dans les premiers westerns ou dans les westerns classiques. On ne va pas rentrer dans les deux camps. Et là, il passe son temps à aller d'un camp à l'autre et ça fonctionne. Only one drank the water, goddammit, Samad! I told you to throw that canister far away. They found it. Rythmiquement, c'est... J'ai eu l'impression, moi, là, de voir un opéra, en fait. Tu vois, avec une espèce d'énorme prologue, avec ce village écrabouillé, là, où il y a des salauds dans les deux camps, enfin, etc., etc., un truc où il y a le souffle de la tragédie de l'opéra qui va... Voilà, c'est très marrant, ce film m'a fait penser à un opéra. Il y a une sorte d'artificialité dans les outils qui se montre comme telle, avec une musique prégnante, avec des plans extrêmement très larges où les hommes sont tout petits et d'un coup on va être très près. Alors et ça, c'est très western, mais c'est aussi opéra, parce qu'on a le rapport à la... Il y a un côté théâtral, quoi. Il y a une autre chose qui fait que ça fait opéra, c'est qu'il y a comme des scansions entre les différents chapitres, ou pour passer d'un camp à l'autre, où il y a ce qui scande, comme si c'était un intertitre qui disait on ouvre un nouveau chapitre, rythmiquement, quoi. Parce que le rythme, c'est quand même ce qui fait un film aussi, en dehors des situations. Et ben, c'est les corps de moudjahidines qu'ils vont semer sur leur passage, ou... Voilà. Donc, de temps en temps, on se tape un mec écrabouillé. Bon, voilà. Et c'est nouveau chapitre. Mec écrabouillé, nouveau chapitre. C'est quand même assez carré pour raconter une guerre coloniale, quoi.